On est parti, on nous a dit 17h. 20 minutes, ça va vite, hein, mais on a quand même de quoi tracer. Je disais que ces 10 petites madeleines de plus sont des figures à chaque fois. J'ai regardé celle de l'originalité et on va trouver des points communs avec des choses qu'on a déjà vues. Hier, j'ai regardé comment cette originalité, ben, ce n'était pas finalement le critère qui était suffisant. Ça me permet, ces petites figures, de regarder la totalité des passages de 1800 à 1940, qui est la période que j'étudie sur cette naissance de la modernité, de regarder si vous ne les avez pas connus ou de réviser si vous avez suivi gentiment tous ces épisodes et de questionner aussi cette notion qui a l'air d'être flottante finalement de modernité, même si j'ai dit accélération du temps, développement des réseaux de diffusion, voilà, on le voit ici, réclame, scandale, presse, manifeste, collectionneur, j'aurais pu mettre public, objet de design, c'est-à-dire objet multiple, et affiche que je vais montrer là, film, et je me demandais, c'était une petite provocation amusante de dire, et tiens, et si la modernité, elle était évaluée par sa capacité publicitaire, c'est-à-dire la capacité à faire parler d'elle quand vous faites un bon vieux scandale, ben on attend à ce qu'il y ait des échos, et eh bien, je voudrais vous montrer deux exemples amusants, des scandales qui n'ont pas marché, c'est-à-dire ben, d'essayer de provoquer le monde, et puis ça ne le fait pas. Et puis, une façon de nous vendre des choses par le scandale assez souvent, dont une des figures les plus connues, évidemment, c'est celle-ci, qui est en fait un tableau privé qui est vendu par Courbet à un collectionneur et qui, en plus d'être une image alors, authentiquement pornographique, puisque là, on peut avoir une petite image de dame nue qui a l'air d'être un peu comme l'Olympia de Manet, pas tout à fait. C'est pas une déesse, on dirait une petite dame avec son caniche, donc il y a un petit côté interdit comme chez les dames du bord de l'eau qui sont caricaturées ici sur le Courbet et Nadar. Vous voyez, c'est des petites poupées qui ont un socle en fait, tellement c'est mal peint, trouve le caricaturiste. Finalement, on n'a pas de nature ou on n'a pas de réalisme comme le revendiquerait Courbet. Courbet qui est un spécialiste du scandale, c'est pas le premier, mais c'est quand même celui qui en fait un grand marché, entre guillemets. Et donc, on nous montre toujours de plus en plus cette image, alors pornographique, parce qu'on ne voit pas de visage, on ne voit pas d'identité. Et c'est une des définitions de la pornographie, c'est-à-dire de voir des outils au travail sans regarder les gens qui s'en servent. Et quand on les devine, c'est plutôt de l'érotisme. Ce que je veux dire par là, c'est que même quand ça sera acheté par Lacan, ce petit tableau. Il y aura un autre tableau qui est devant, qui lui sert de dissimulation. Il demandera même à André Masson, le surréaliste, de faire un petit tableau devant le tableau, avec le plaisir d'être celui qui ouvre la petite porte pour révéler ce qu'il y aurait derrière. Et donc, j'ai beaucoup raconté que les avant-gardes artistiques, par les galeries, par les réseaux d'influence, étaient une façon de regarder l'histoire de l'art moderne, puisque le radeau de la Méduse fait scandale. Dans les salons, un endroit où est présenté au pouvoir, à la noblesse, à la bourgeoisie qui se développe des tableaux, comme le bon goût, comme la représentation du bon goût que valorisait l'académie. Mais je trouve qu'il y a une espèce d'académisme, entre guillemets, un peu paresseux de l'histoire de l'art, de nous dire ben, il suffit d'être contre le bon goût bourgeois pour être moderne, pour être nouveau. Et je vous disais que même si Delacroix va très loin par rapport à ce que Ingres peut supporter. Il est aussi très tôt dans l'institution reconnu comme le plus grand artiste du XIXe siècle par l'État français. Et cette vague de pousser ce qui est devant, de faire table rase du passé, c'est moderne. Mais ce que dit malicieusement Joyeux Prunelle, c'est que finalement, ben, ces artistes se retrouvent dans les galeries des gens d'avant, avec des collectionneurs d'avant et avec une presse qui les relaie. Complexité d'être rebelle institutionnel, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Hernani, c'est aussi comme ça qu'on vend dans les petits livres de littérature la modernité du monsieur Hugo, et comme ça que la presse le fait, comme ça que petit à petit cette presse. Ben, en fait, la presse, elle a besoin de scandale, hein, c'est aussi simple que ça. Nous eûmes dans ma ville, un maire catalan dont je tairai le nom, mais qui avait ce sens de la publicité, c'est-à-dire une petite phrase régulièrement permet déjà d'oublier la précédente, mais en plus de continuer à faire parler. Et ce réseau-là, cette diffusion-là, elle se fait dans cette époque moderne dont on a hérité. Donc c'est une grille de lecture qui est très efficace. Le scandale, la presse, la diffusion,
Et finalement, qui n'est pas observé tant que ça, puisque on nous montre une figure romantique un peu hantée, ou ce scandale authentique de l'enterrement hors norme, puisque grand format, qui ne respecte plus les cadres. Mais il y a une petite paresse à dire que le scandale suffirait à donner de l'intérêt à quelque chose. Quel scandale par rapport à qui, pour qui? Qui est choqué ou qui vit de cette rébellion aussi, parce que les soutiens rebelles dans le surréalisme, il y aura beaucoup de soutiens un peu riches. Et puis, même chose dans l'art américain du début de la carrière de Duchamp aux États-Unis. Voilà, ce scandale de Manet, c'est aussi très tôt. L'impressionnisme fera scandale, encore Manet, toujours scandale. Voilà, l'impressionnisme fera scandale en 72 et exposé chez Nadar, qui aime bien provoquer, en 74. Mais dans les années 1890, l'impressionnisme, c'est la peinture normée. Et donc, je vous disais qu'il y avait une difficulté à regarder toute la carrière de Monet, qui meurt dans les années 1920. Donc, il est une institution. Dans le film de Guitry, pris dans les bras de Clémenceau, et quand il meurt, Picasso a 48 ans. Donc, cette façon de montrer l'histoire de l'art par le scandale, par l'effet un peu de surprise, c'est une façon un peu romantique de jouer la nouveauté, jouer l'originalité, mais finalement, qui ne regarde pas tant que ça de près les médias, la façon dont ce scandale se diffuse, dont ce scandale se répand. La figure absolue du Van Gogh solitaire, dont on a dit il y a 2 jours, que l'originalité et la singularité étaient au cœur de la modernité, mais c'est surtout l'exercice d'admiration que menait Heinrich. C'était une façon de regarder comment l'œuvre autour de Van Gogh était, l'aura autour de Van Gogh était finalement presque plus importante que son œuvre, qui quelquefois n'était pas très bonne en fait. D'où mon goût pour le film de Piala. On dirait presque du Van Gogh, c'est du Matisse, on est 20 ans plus tard. Le même Matisse qui fera le scandale du Salon des Fauves, que ses collègues appellent le professeur, parce que c'est un théoricien, un chercheur, qui sera le grand opposant à Picasso sur le début du XXe siècle. Vouloir cette espèce de place du grand rebelle, ça c'est un portrait de Matisse par de Rhin, bien sûr. Matisse est aussi très tôt une figure institutionnelle, en fait, une image de l'artiste reconnue par les médias. Celui qui abuse de regarder, je vous y invite, la carrière, c'est que Picasso est celui qui se met tout le temps en scène dans cette figure du scandale ou dans cette figure de l'originalité. Il a été puni, il a un nom de voiture. Et donc, on peut continuer cette naissance de la modernité que par le scandale. C'est très simple. Les futuristes qui éditent un manifeste, puisque depuis Courbet, on a vu que les artistes pouvaient écrire, défendre des idées. Ils n'étaient plus seulement des artisans de l'image, ils étaient ceux qui pouvaient provoquer jusqu'à la politique. Courbet a des problèmes au moment de la Commune, et puis on va le voir avec la figure des intellectuels un peu plus tard dans ces 10 figures avec Zola, quand même, qui aura des authentiques soucis. Il s'agit de provoquer le bon goût et de faire un effet de chaos chez les dadaïstes, chez les futuristes, qui va donner toute la carrière à Duchamp aux États-Unis quand l'art Morisot va présenter l'art moderne et impacter, on l'a vu, en 15 ans seulement, toute la créativité jusqu'à Pollock et la suite. Chez Nold, dont j'aime bien montrer le travail parce que c'est vraiment quelqu'un qui est en marche continuellement et en même temps complètement fou de vouloir être dans cette marge. Je vous ai montré hier que les suffragettes avaient l'idée... Voilà, Emmeline Pankhurst qui se fait arrêter en 1914 parce qu'elle a encore fait une opération coup de poing pour se faire connaître et attirer l'attention sur leur cause. Le petit monsieur Apollinaire, si vous l'avez vu avec les cubistes, il était mort, mais c'est lui qui parlait de surréalisme avec Marie Laurencin, avec Douanier Rousseau. C'est qu'il a le sens très tôt de l'artiste qu'on va retrouver chez Cocteau, qu'on va retrouver chez Warhol plus tard, d'être... l'intellectuel, l'artiste qui écrit, qui accompagne cette avant-garde et qui surjoue ce côté provocation, la provocation chez Dada, performance chez Dada qui vont, on l'a dit et vu dans des églises, dans la rue, faire des opérations au coup de poing, provocation chez Breton qui reprend encore cette formule-là, provocation qui se retourne contre lui aussi puisqu'il y a sécession avec Bataille notamment. Propose
d'enterrer à son tour au Breton. Scandale écrit par Picabia, envoie Maneret du chant dans le film Entracte. Scandale du chien andalou, parce que si vous avez l'occasion de le voir, passez si vous êtes un peu sensible à le tout petit morceau. Il faudra fermer les yeux, c'est le cas de le dire, au moment où il vous dit de les ouvrir dans l'introduction. Mais cette association d'images un peu curieuse, bizarre, voilà, c'est assez génial. Vraiment génial et visuellement très très puissant. Scandale qu'on peut imaginer, mais je trouve amusant de montrer que le petit monsieur Dali va être exclu par les surréalistes pour avoir peint un petit monsieur avec de la merde au cul sur le bas à droite ici, voilà, alors qu'on est quand même on est chez les surréalistes. Alors les surréalistes provoquent et puis Dali, on l'appelle à vie d'un dollar parce qu'il aime le fric et en effet c'est pas faux, il l'assume lui-même parce qu'il va jusqu'au bout du scandale. Mais le même Dali va être celui qui va promener son tamanoir en montrant le sandwich le plus long du monde, montrer régulièrement une amitié ou un intérêt, notamment pour le dos dodu d'Hitler. Voilà. Il scandalise, mais ça fait moins rigoler tout le monde parce que c'est un scandale qui ne marche pas tout à fait. Voilà, une petite conférence de presse en scaphandre, il a failli mourir étouffé d'ailleurs, c'était à deux doigts. Et on l'a passé là, des scandales qui ne marchent pas du tout aussi. En 1973, il va éditer une espèce de livre de cuisine qui est une merveille. Hein. Si vous aimez les trucs un peu décalés et kitsch, voilà, comment cuisiner de façon surréaliste. Dali va passer sa vie à essayer d'être dans le scandale. Et à mon avis, tout ça n'est pas très montré, hein, puisque c'est un peu ringard, c'est un peu hors du temps, ça s'est démodé. Mais c'est une grille de lecture intéressante de penser que l'artiste est devenu une figure presque plus importante publicitairement, avec sa moustache, il en fera de la publicité, justement, il dessine le logo Chupa Chups de la Sucette, mais aussi le célèbre chocolat Lanvin, Jean Paul. Voir l'artiste par son effet de scandale me semble presque plus intéressant que l'artiste, que l'œuvre elle-même, en fait. Comment, voilà, Gala, sa Madone, sa Muse, les photos les plus folles, voilà, comment la presse cherche cet effet-là. Ça me semble être une figure, voilà, la modernité par ses capacités publicitaires, c'est pas si mal hein, comme grille de lecture, mais je voudrais vous montrer que finalement on la regarde peu. Petit retour en arrière, début de la gravure. Voilà le bois Prota 1370. L'impression Gutenberg, dont on se rappelle que image multiple égale diffusion, égale presse, égale grand public, là on est à la Renaissance. Mais pour Gutenberg aussi, en éditant dans la période. Le protestantisme, on va dire vers 1515, est aussi celui qui va servir de la presse pour diffuser, non pas scandaliser, mais en tout cas faire effet sur le public. Donc c'est un peu ancien, voilà, la Bible, les chroniques de Nuremberg qui montrent que la diffusion des livres, retrouvez-les sur le site de la BNF, il y a des merveilles. Cette diffusion d'images multiples existe depuis très très longtemps. Un petit rappel pour que vous puissiez briller en société sur Walter Benjamin, l'œuvre d'art à l'époque de sa productivité technique. On en a beaucoup parlé, peut-être trois émissions, on dit dedans. Mais la photographie, elle nous montre aussi qu'il y a des procédés nouveaux pour faire des poses gracieuses. Voilà, elle commence à avoir de l'écho dans la presse. Elle va permettre de diffuser des images hors de l'endroit où il se trouve. C'est bien le résumé de ce que dit Benjamin. Emmener l'œuvre d'art à un endroit où elle ne pourrait pas aller pour voir autre chose. Vers 1900, la reproduction technique atteint un niveau incroyable. Elle peut conquérir une place parmi les procédés artistiques. Elle peut permettre d'entendre des sons à un endroit où on ne l'entendrait pas. Vous avez sans doute chez vous des albums de concerts live où vous n'avez pas été. Et si vous y avez été, quelquefois c'est décevant le disque, mais emmener l'œuvre d'art à un autre endroit, cette diffusion, c'est par les outils de diffusion, par cette capacité publicitaire à rayonner, ce serait une façon de regarder l'œuvre d'art et son impact, les œuvres confidentielles qui ne sont pas restées, qui ont été découvertes plus tard. C'est à ça que sert l'histoire de l'art aussi. Hein. Pour rappel, c'est seulement en 1900 quelque chose que Vermeer est devenu un artiste hors norme. Avant, il n'était qu'un maître hollandais parmi d'autres. La diffusion des studios commerçants, en 1850, les studios commerciaux de photos, 500 dans Paris, c'est énorme. Hein. Les, voilà, des façons de pouvoir développer, transporter partout les images, dans la presse également. Je vous avais montré, mais j'aime bien le remontrer vite fait, que Sarah Bernhardt, elle se fait prendre en photo un chef-d'œuvre. Je ne vous ai pas dit que Nadar était un génie, ben je le dis. Parce que quand on regarde comment Sarah Bernhardt se fait prendre en photo, peindre par Louise Abema, qu'on retrouve au musée des Tempes,
prendre en photo par Nadar. Et quand c'est par Nadar, c'est quand même toujours meilleur, on l'a vu. Elle aura deux peintres attitrés, petite sculpture par Damien Lepage, par Boldini. Voilà. Elle pense à son image, elle pense à son image de marque et elle la fabrique. Elle pense très tôt, hein, on est dans les années 1890, que cette image de marque, on en a besoin et qu'on est dans une société de la diffusion. Et il y a une espèce d'ambiguïté presque un peu protestante, j'oserais le dire de cette façon-là, c'est que l'image, vous avez peut-être des souvenirs des cahiers du cinéma des années 60, voilà, l'image, c'est mal, c'est une tentation et c'est toujours perverti, c'est tout à fait dégradant de montrer son image. Et on a encore ce problème-là dans beaucoup de pays et dans beaucoup de rapports des artistes à leur image. Et dès qu'ils se soucient, comme le fait Sarah Bernard ici, de s'adresser aux meilleurs artistes, on se rend compte qu'ils sont forts, en fait, qu'ils ont un sens de l'image et de la diffusion de leur image et que c'est peut-être un angle pour regarder leur carrière. Voilà, la gravure se développe. Je voulais vous rappeler que le journal L'Illustration, il paraît dès 1843, couverture de 45, mais 43 quand même. Et jusqu'en 1944, c'est 100 ans de diffusion de tout ça. Et puis les débuts de l'affiche, Chéret, qui va faire des images qui sont longtemps pas considérées comme des œuvres d'art, mais dont j'ai essayé de montrer qu'elles l'étaient, mais par la diffusion des images de Lautrec sur l'image d'Aristide Bruand, qui est chanteur, auteur et qui tient son cabaret Les Ambassadeurs, des images qui finalement, par leur diffusion, vont devenir une imagerie mentale très très puissante, Chocolat Meunier, voilà, L'Œil Fuller et sa diffusion, des revues que vont accompagner les artistes. Donc je vous disais que le travail sur les revues n'est pas finalement tant que ça valorisé. Les merveilleux Bagerstaff Brothers, qui sont des graphistes anglais de 1895, voilà une affiche qui peut permettre d'être customisé, entre guillemets. Là, du bonnet, Ripollin, vous vous rendez compte comment cette image-là, même si vous êtes tout jeune, et vous l'êtes, je le sais, comment peindre sur un mec qui peint sur un mec, voilà, est-ce que vous doutez que c'est Eugène Vavasseur en 1898? Quand même, on fait des images ici, on les diffuse, la capacité publicitaire, on n'est pas dans l'art moderne, même si je vous ai dit que la première partie, capacité de faire scandale, c'était intéressant. 1901, le guide Michelin, on est très tôt dans cette époque moderne, dans une diffusion de l'information qui est énorme, un vrai chef-d'œuvre. Lucien Bernard, ça c'est un chef-d'œuvre pur, voilà. Peu de couleurs, les allumettes. Un Autrichien, Lucien Bernard. Peter Behrens, dont je vous ai dit qu'il était le premier designer, en un sens, en travaillant pour AEG. Et puis, je vais y venir, ma conclusion dans mes 2 minutes, ce travail-là. Mais avant, quand même. Je ne vous avais pas dit non plus que Benjamin Rabhi était un génie, ben je le dis, voilà, 1926, non seulement une image qui reste jusqu'à aujourd'hui, mais une image dans l'image, dans l'image, dans l'image. Génial, bravo. J'en profite pour vous dire que sur Internet, ben, quand on cherche des images, elles ne sont pas vraies. C'est-à-dire, il n'y a aucune de ces couleurs qui est tout à fait correcte. Attention, regardons par nous-mêmes et pour répondre à monsieur Walter Benjamin, allons voir les œuvres en vrai. Je vous apprends un dernier truc avant de partir sur cette capacité publicitaire qui va avec notre époque. Et je vais vous apprendre un truc qui va vous faire rigoler et peut-être rire jaune. C'est le cas de le dire. Gustave Le Bon écrit Psychologie des foules en 1895. Connaître l'art d'impressionner les foules, c'est connaître l'art de les gouverner. Alors, c'est le début de la psychologie, de la psychanalyse, ça va accompagner les débuts du marketing et ça me prendra 2 minutes à montrer. Ce livre est tout à fait passionnant, il était interdit à un moment donné parce que Hitler a dit qu'il s'en était beaucoup servi. Comme d'habitude, il vaut mieux vérifier soi-même et lire les choses. Ce que dit Gustave Le Bon, c'est que les hommes en foule ne pourraient pas se passer d'un maître, la foule leur est comme un seul esprit, il suffit de s'adresser à lui, on pourra les manipuler. Et ce n'est pas dans Gustave Le Bon directement que, même si l'appareil critique dans ce PUF est tout à fait passionnant pour ça. On n'attrape pas des maladies du cerveau en lisant des livres, on apprend en les lisant de travers. Et il y a des gens qui les commentent pour ça. Je voudrais vous parler d'Édouard Bernays qui, dès 1916, fait une opération extraordinaire. Vous allez voir, vous connaissez cette petite image qui est devenue iconique aussi. Voilà. Il fait partie, en 1917, ce n'est pas lui qui l'initie, le CPI, Committee of Public Information. Il y a un type qui dit, en 1917, les États-Unis, ils n'ont pas envie d'entrer dans la guerre. Et on va essayer de les pousser à le faire. Et en fait, dans ce comité, il y a des journalistes, des illustrateurs, des professionnels, des relations publiques, ce qui donnera plus tard le marketing. Qu'est-ce qu'ils décident de faire? Et c'est une date importante dans ce changement. Ils vont faire des affiches comme ça. Et ils vont inventer ce qu'on appelle les 4 minutes men. Ils décident d'aller dans des théâtres, des bibliothèques, des cinémas. Ils viennent devant tout le monde. Ils disent, j'ai 4 minutes, je vais vous convaincre.
Ces 4 minutes, ça permet, avant la radio, de faire des slogans très très simples, juste avant des films ou au théâtre. 75 000 speakers qui vont dans 5 200 endroits. Des volontaires qui vont diffuser cette image. Et si on s'engageait pour la liberté, pour développer l'ensemble. Une des plus grandes réussites de la commission Krill, c'est ces 4 minutes même. Réunir le plus grand nombre de volontaires, des personnalités très impliquées, pour prononcer un discours et pour défendre la nécessité d'entrer en guerre. Ça nous arrange, ils sont venus nous aider. Cette idée de diffuser un message court va avec notre époque et avec ce que je viens de vous raconter. Je fais une petite amorce de la naissance du marketing qui fait la conclusion. Walter Lippmann est, dans les années 20, celui qui va être un peu le fer de lance avant Édouard Bernays, le voilà, qui nous dit quelque chose qui va vous rendre parano. Magnifique documentaire sur la vie d'Édouard Bernays sur Arte, qui est inspiré d'un livre édité chez Zone. La manipulation consciente dans une démocratie passe par la publicité et le marketing, pour faire court. Puisque tout le monde a un avis libre, eh ben on peut peut-être influencer le monde par des relations publiques. Et voilà un métier qui se développe et qui a un gros écho encore aujourd'hui. Public Relations, 1919. Il était le petit-fils, le neveu de Freud. Et donc, les mécanismes psychologiques, ça l'intéressait beaucoup. Il va aider Freud à s'implanter aux États-Unis, on va dire ça comme ça. Et puis, juste des couvertures nous suffiront à comprendre l'intérêt et la force de Bernays, philosophie de la vente associée à la stratégie du désir. 1920, hein, on est dans les mêmes années. Un documentaire sur Digter. John Ford, dont vous savez peut-être pas qu'il proposait des voitures en noir parce que c'était une façon de maintenir des coups bas. On pensait que c'était un peu ringard, mais ça permet de ne pas faire des trucs de foufou et donc de continuer à avoir un prix régulier. Vente à la chaîne, sens du marketing. Regardez ce que veut dire les Torch of Freedom de Edward Bernays. C'est un coup de génie incroyable. Les femmes veulent leur liberté. Les femmes n'ont pas le droit de fumer des cigarettes dans la rue. Edward Bernays est engagé par une boutique de clopes et il dit, ben voilà, je vais faire un coup de génie, un peu un coup de salopard. Hein. Je vais dire aux femmes, pour être libres, fumez les torches de la liberté. Et comme ça, je les aide à marquer le coup pour qu'elles deviennent libres et en même temps, je vends des clopes. C'est pas très joli, joli, mais c'est très efficace. Encore Dichter avec les motivations humaines. Si vous vous rappelez des recherches de Joseph Albers au Bauhaus sur la façon dont la couleur allait influencer les tableaux, la façon dont le cadre allait influencer le tableau. Chez Skin, voilà, je suis dans les années 50, donc je sors de ma zone, mais je voulais absolument vous raconter ce qu'invente chez Skin, qui est une merveille. C'est ça. Ça s'appelle la sensation transférence. C'est très simple. Quand vous avez un emballage de beurre qui est en carton marron ou rouge, c'est moche. Quand vous faites un emballage de beurre qui est doré et qui ressemble à du beurre lui-même, vous en vendez 90% de plus. Ces conceptions, ces recherches sur la couleur, sur le design, sur la forme, lui, chez Skin va aussi, quelles sont les motivations pour acheter? Voilà, Color for Profit. On est au cœur de notre modernité et de cette façon de se vendre à tout le monde. On peut même s'appuyer sur des professeurs de médecine qui recommandent de fumer des clopes, c'est mal. Et on verra que demain, l'image et sa façon de circuler continuent à être avec nous. À demain, 18h ou à 14h.